Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle, « Oh, Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé, n'en parlez surtout point car vous me feriez battre, mon mari vient de pondre un œuf, gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. « Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, oh, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre comme mère en dit 4. Et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent.